Le manchot a rude manchot. Le manchot a rude manchot sur sa banquise. Il enlève même sa chemise, s'abrite sous une marquise et profite de la moindre brise. Mais il a encore carrément chaud. Il plonge alors dans l'eau glacée de l'Antarctique, glisse et fend les profondeurs aquatiques, ressent un bien-être fantastique. Mais quand il remonte, c'est dramatique. Le manchot a vraiment chaud. Le manchot n'a pas les deux palmes dans le même sabot. Il agite frénétiquement ses ailes de bas en haut. Tous ses mouvements lui donnent encore plus chaud. Jouer au ventilateur n'est pas de tout repos. Bref, le manchot a sacrément chaud. Le manchot avale un peu de glace et se lamente parce que la chaleur augmente. Alors, un dimanche au matin, de sa démarche lente, il s'en va jaboter avec ses amis de ce problème qui le hante. Sur le chemin, le manchot a excessivement chaud. Salut les amis, quel sale temps! Pas la moindre brise pour nous glacer délicieusement. Le sol se ramollit lamentablement. Que se passe-t-il dans notre paradis blanc? Parce que moi, j'ai exagérément chaud. J'ai entendu dire que notre Terre était prisonnière d'une sorte de serre qui réchauffe son atmosphère. Ainsi fond notre banquise, mon cher, s'amuse un autre manchot. Et c'est aussi pourquoi nous avons désespérément chaud. Qu'allons-nous devenir? Quel sera notre avenir? Si notre banquise s'amenuise, finit glissade et fou rire. Il nous faut réagir pour sauver notre empire. Parce que nous, les manchots, avons considérablement chaud. Crac. Quel vacarme! Aïe, aïe, aïe! Notre terre se lézarde, apparaît une faille. Nous partons à la dérive, et sans gouvernail. Promis, on se retrouvera vaille que vaille. Retroussons nos manches au plus vite. Allez, signalons notre détresse aux hommes de bonne volonté. Montrons-leur que notre terre est en danger. Eux ne sont pas des manchots. Ils vont nous aider. Parce que nous, les manchots, avons tous affreusement chaud. Ni bateau, ni hélicoptère pour nous apercevoir. Il ne nous faut pourtant pas perdre espoir. Sur notre îlot blanc, nous n'allons quand même pas broyer du noir. Mais où va nous mener cette histoire? Les manchots préfèrent ne pas avoir peur et font contre mauvaise fortune bon cœur. Ils jouent à saute-manchot à toute heure, au bandit-manchot ou au manchot-menteur. Sur leurs glaçons, ils espèrent un monde meilleur, même s'ils ont toujours démesurément chaud. Nous, les manchots, vivons loin de l'humanité. Mais maintenant qu'entre nous, la glace est brisée, les hommes connaissent nos soucis et savent ce qu'ils ont à faire pour nous tirer d'affaire. En attendant, nous, les manchots, avons rudement chaud.